Et salut tout le monde, c'est Jean-Bloc, et on se retrouve pour un UHC en multi. Et oui, j'avais décidé de faire ça, un truc qui va se trouver en trois parties. J'espère que vous entendez pas le vide. Au lieu de l'éteindre, je l'accélère. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Va falloir que je trouve des ressources. Alors ouais, vous voyez, il y a un timer. Vous voyez, vous allez remarquer que je vais pouvoir avoir des épisodes multiples dans cette aventure, donc c'est pour ça aussi qu'elle dure 20 minutes. C'est pas parce que je me suis fait laminer dès la première minute. Non, non. Ouais, maintenant je suis vulnérable aux dégâts. Ça, je suis au courant. Alors, il faut que je fasse vite parce que le truc le plus chiant dans ce mode, c'est les pommes. Et des fois le diamant. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, il va me falloir, en plus, il va falloir que je fasse attention parce que je suis avec le clavier que j'utilise, vous savez, pour l'ultra hardcore dans la peau. Les UHC, j'ai plus avec l'habitude avec mon clavier mécanique, mais vu qu'il fait énormément de bruit que je suis en vidéo, je vais éviter quand même. On va se faire de quoi? Bah, ça commence déjà. Il y en a un qui clapse comme ça. Il y en a l'autre qui dit GG. Ah non, pas GG. C'est juste déconnecté. Alors, on va aussi récupérer un peu de bouffe. Ah, déjà la première pomme que je viens de voir tomber. C'est déjà le miracle de la vie, comme dirait le royaume. Donc je vais casser quelques arbres comme ça et partir direct à la chasse. Pourquoi? Parce que t'as pas beaucoup de vie. Les mecs, ce qu'on m'a dit c'est que les mecs, c'est toujours comme ça. Dès qu'ils perdent un peu de vie dès le départ, les mecs ils se suicident. Même pas le principe de faire une aventure jusqu'au bout. Hein. Je suis désolé, mais quand on voit le KTP, les KTP d'Aipierre, il y en a qui leur manquent de la vie, ils continuent jusqu'au bout et finalement ils remontent en vie puis ils défoncent tout le monde. Alors ouais, pour ceux qui connaissent pas le principe de l'EHC, c'est comme les KTP, les Kills of Patrick de chez Aipierre. C'est en fait, on est sur une map en 2000 fois 2000, 1000 par 1000, je crois, un truc comme ça. Et on doit se survivre sur cette map parce que c'est du PVP. Voilà, le mec qui se suicide. Belle mentalité, hein. J'espère que tu regardes pas cette vidéo parce que je te dirais que t'es qu'une merde. Tout simplement, je suis désolé, mais bon. On peut faire quelque chose de bien. Donc, je sais pas combien d'épisodes ça va durer. Je sais juste que pour l'instant, j'ai deux pommes. Donc, faut que je coupe des arbres. Non, rectification, j'ai trois pommes. Faut que je coupe des arbres, je tue des animaux, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de canne à sucre, pour la table d'enchant, bien sûr. D'enchant, hein. Je me suis trompé un peu dans la diction, m'en voudrais pas. Et du cuir de vache que voici, voilà. Sur votre droite, sur votre gauche, des arbres, en face de la canne à sucre, et avec l'épée, Jean-Bloc qui va tuer une vache. Donc c'est l'épisode de 20 minutes, hein. Alors on va essayer vraiment de survivre et peut-être de faire un kill, hein. Parce que voilà, j'ai besoin de nourriture. Donc il va falloir trouver des animaux, il faut pas que je m'éloigne de là où je suis. Parce que c'est mon point de spawn, donc les spawns ils doivent être plutôt proches les uns des autres. Mais il faut que je trouve quand même de la nourriture. Pour l'instant j'ai juste de la viande de vache. Elle est 4 pommes, ça va le... 4 ou 5? 4 pommes, voilà. Ça va pouvoir le faire, ça. Si je trouve deux, trois animaux à dégommer.
Même plus. Faut que j'évite de courir, hein, par contre. Alors oui, il y a pas la musique des jeux qui s'est lancée. Mais ça, c'est pas grave, ça permet d'entendre, même si, à l'heure actuelle, ça va, le premier épisode, ça va se passer tranquille, hein, sauf si je tombe comme une pauvre merde. Ça, une chance sur 10 que ça arrive, hein. Avec tous les trous qu'il y a. Mais le souci, c'est pas de mourir, c'est de rester en vie. Oui, c'est logique, hein, ce que je dis. On va se faire du lapin là. Non mais lapin, te sauve pas, je veux juste te tuer. Ah le lapin. Ah c'est vrai, il donne du cuir, mais il a pas donné de bouffe, hein. Ça c'est un bébé lapin, il va pas me donner de bouffe. J'espère quand même que ça va vous plaire, hein, ce genre de du haché. Vous pouvez le dire dans les commentaires. Hein. J'en profite pour l'instant que je puisse parler tranquillement. Je peux parler tranquillement, mais voilà, j'ai de quoi manger pour l'instant. Ouais, c'est un peu, c'est vraiment très très léger. Alors, vous savez, voilà, GG à moi, GG. C'est pas tant les ennemis, hein, qui me font peur, c'est moi-même, hein, pour là, ça. Parce que... Alors, je vérifie s'il n'y a pas une dernière pop-pomme. 4 pommes, ça devrait suffire pour l'instant. Hein. Oh la vache, je l'avais pas vu. La vache là, discrètement, via la marguerite. Par contre, j'aime bien ça. Là, la descente qu'il y a là, j'aime bien. On va récupérer ça. Parce que ça peut me servir. Alors, j'espère pas mourir de chaud parce que 1 heure et demie à record dans cette chaleur. Parce que oui, il fait un peu chaud. Ah ben, j'ai un peu niqué mon UHC là. Franchement, là, j'ai vraiment niqué mon UHC. Je récupère un peu de la pierre, là, en même temps. J'espère vraiment pouvoir récupérer un max de vie. Et je vais voir, selon mes timings, si je peux aller dans le Nether. Ça dépendra de ce que je trouve. Il y en a qui vont rusher le Nether, hein, ça, c'est logique. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de dernière pomme. Oh, je suis proche du mur et les animaux sont là pour moi. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Je vais faire un maximum de dégâts. Alors il y a les UHC aussi run, peut-être j'en ferai un qui est beaucoup plus rapide, on chope du cuir pas plus facilement. Je vais aller m'enterrer là-bas. Hein. Je vais descendre dans la grotte. Donc il va falloir me faire des totorches. Voilà. Ouais, je suis mal en point, hein, pour l'instant. Je compte vraiment sur de l'or pour remonter un peu ça. Et peut-être même une potion. Hein. Faut que je fasse attention ici. C'est par là que je me suis niqué. Non, je vais descendre convenablement. Il y a du fer. Alors, on va piocher un peu ici parce qu'il va me manquer un peu de pierre pour pouvoir faire un magnifique four et une magnifique pioche.
en pierre pour pouvoir récupérer. Alors, voilà, le magnifique four. Quelqu'un a du cuir, mais comme si on allait t'aider. Jean Bleu, t'as enfin trouvé de la canne? C'est bien. Ah bon? Je sais pas pourquoi il me dit ça. J'ai pas lancé de live? Non. On va vérifier. Option de discussion dans diffusion. Non. J'ai pas compris pourquoi il m'a dit ça. Eh ben. Peut-être parce qu'il est dans la zone, hein. Tout simplement. On va essayer de faire cuire un maximum de bouffe là. Pour vraiment rester en vie. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais bon, c'est pas grave. Hein. On y en veut pas. Il doit être dans la zone, la même zone que moi. Vous voyez, le PVP commence dans 8 minutes. Alors, on va commencer par se faire une pioche. Bon, récolter tout ce qui est fer. On va récupérer, voilà, juste assez pour se faire une épée, parce que le bois, c'est sympa, mais c'est pas forcément le meilleur. Alors, on va utiliser notre cuir pour faire déjà notre bouquin, comme ça au moins il sera déjà prêt. Il m'en restera plus que l'obsidienne et le diams. Voilà. Alors, on va descendre un peu. Alors, pas grave. Pour l'instant, on va descendre. On va éviter dès le premier épisode de mourir. Allez. De toute façon, moi je mine généralement vers le. Je pars en direction du centre toujours. Pas bonne idée des fois, mais je préfère miner vers le centre. Parce que. Tout simplement, ça me rapproche plus de l'objectif qu'est le centre, de toute façon, pour éviter... Merde, il y avait du fer là-bas. Faut que je récupère le fer, attendez. Voilà. Pour l'instant, ça va, je suis tranquille. Et moi, tranquille. J'ai ce qu'il me faut, des pommes. Au pire, si j'ai beaucoup d'or. Je sais, c'est pas très lumineux pour vous. J'économise un peu le minimum des torches. Là, je vais la mettre. Et vu que maintenant j'ai tout récupéré, merde, je récupère les torches au fur et à mesure. Il me faut de quoi me faire une armure et une pioche en fer. Et peut-être même une épée en fer.
Oh. Je vais pouvoir faire ma pioche en fer tout de suite. Enfin, j'espère. C'est vrai que c'est plutôt calme, hein. Il reste 5 minutes à l'épisode, hein. J'aime bien, il a cru que c'était la brocante ici. Il a cru qu'on pouvait négocier et tout ça. Alors, je vais pouvoir me faire plus de torches. Toute façon, il peut pas pour l'instant. Non, je vais pas tout carboniser déjà. Voici un petit peu aller. Voilà, il m'en reste 6. C'est bon. On va pouvoir éclairer plus facilement la zone pour éviter. Je récupère le max de fer. En y pensant, faut que je fasse cuire le fer si je veux pouvoir faire la pioche pour pouvoir récupérer ce foutu. J'espère juste qu'il n'y a pas un mec qui va arriver dans mon dos qui va me piquer mon fer. Ça pourrait arriver, hein. Cool. Alors je sais que par là il y a de quoi faire. Il faut que je mette un peu plus de fer. Ma table d'enchant, allez. Pas ma table. Ma table de craft est juste là. Alors, paf. Il manque un peu de bâton. Parce que j'ai tout utilisé. Hop, voilà. Et une petite pioche en fer. Histoire de se mettre bien. Allez, on va chercher le sésame. Pour l'instant, j'économise un peu cette pioche-là parce que je vais en avoir besoin pour tout ce qui est diams et or. Donc, je vais éviter de me la tuer direct. Parce que pour l'instant le fer n'est pas en abondance. Je vais récupérer tout ce qu'il y a à la surface pour l'instant. Ça, si je devais aller me suicider avec le peu de vie que j'ai. J'avoue sur ce coup-là, Osef, mais genre totalement quoi. Ouais, il va avoir peut-être assez de fer pour faire une armure. Y a rien, je vois. On va récupérer un peu de ça. Alors c'est vrai que je vais tout tourner, mais je vais découper ça en épisodes, hein. Je récupère assez de charbon pour pouvoir faire cuire. Et me faire des torches. 30, ouais, ça devrait le faire pour l'instant. Alors, toi là. Et j'en garde un peu. Alors, je vais pouvoir me faire ça. Et ça. J'espère que vous entendez pas les motos. Paf, paf. Voilà, j'ai déjà ça. Il m'en manque un peu pour le pantalon, mais on va descendre un peu, hein. J'aurais pas. En plus, l'épisode tourne en même temps que l'activation du PVP.
je récupère un peu parce que ça fait un peu d'XP, hein. Il reste quelques secondes. Donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu, hein. N'hésitez pas à le faire savoir. Et je vous dis sûrement rendez-vous pour le second épisode qui ira la faculté du PVP activée. Allez, ciao.